Je vais dire quelques mots sur les pièces que je vais jouer, qui sont sur le programme. D'abord, bienvenue pour ce concert. Ça va être c'est la première fois que je joue depuis 5 mois, donc c'est avec grand plaisir. Et donc je vais commencer par une suite de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est la deuxième suite pour luth, 5 mouvements, un prélude, une fugue. Une sarabande, gigue et la variation de la gigue. Thank you.
Je vais ajouter une pièce dans ce programme. En fait, je vais jouer une pièce de Johann Caspar Mertz qui s'appelle Fantaisie hongroise. C'est pas tout à fait un hasard en fait. Et donc c'est une pièce qui a été composée par Caspar Mertz au 19e siècle. Et c'est une pièce qui est basée. Alors d'habitude je dis le nom du rythme, enfin Chardas, sans être stressé par la prononciation, mais là je suis un peu plus inquiet. Et donc voilà. Et donc il y a ce rythme-là.
vais enchaîner par une pièce d'un compositeur autrichien qui s'appelle Kreienwanger. J'ai oublié son prénom, en fait, j'oublie à chaque fois. Et donc, c'est une... c'est un thème et variation sur la pièce la plus connue, en fait, de Webern sur Freischuss. Je dis très vite, hein, avec les accents, parce que c'est pas très bon. Thank you.
sera coupé au montage. Je vais jouer donc une pièce de la compositeur serbe qui s'appelle Dusan Bogdanovic. C'est une sonate en 4 mouvements et je vais la jouer pour la première fois en concert. C'est un compositeur actuel en fait qui a été prof pendant beaucoup d'années et qui maintenant se consacre exclusivement à la composition. En fait, il a composé énormément de pièces pour guitare, mais aussi pour d'autres instruments, beaucoup de musique de chambre et des pièces aussi pour chœur. Enfin, il est très prolifique comme compositeur. Il a composé la 4 sonates, il est en train d'en faire une 5e, et là je joue la 2e qui a dû être faite dans les années 80, j'imagine. Thank you.
Je vais terminer par trois petits préludes de Scriabine. Donc Scriabine, c'est un compositeur russe qui a composé en grande partie, enfin presque exclusivement pour le piano. Évidemment, il n'a rien composé pour la guitare. Et là, il s'agit de trois préludes. Le premier, c'est prélude 15, opus 11. Le deuxième, prélude 22, opus 11. Et le troisième, le prélude pour la main gauche. Alors, je peux dire un petit mot sur le prélude pour la main gauche, puisqu'il a été composé en même temps qu'un nocturne. Je joue que le prélude. Pour la main gauche, c'est-à-dire que c'était que pour la main gauche au piano, et ça a été fait à un moment donné où Scriabine s'était blessé la main droite, donc et s'est composé pour lui-même deux pièces. Et donc cette transcription a été faite par Antoine Fougeret, qui est un éditeur, qui a eu un parcours assez particulier, puisque dans un premier temps, il était très engagé dans le basket, et finalement, c'est plutôt lancé dans la transcription, et donc c'est devenu un très bon guitariste, un grand professeur. Et un transcripteur, et il a abandonné évidemment sa carrière de basketteur.